Et coucou, coucou mon petit cochon, comment ça va? Alors, le micro, c'est bon. Le son du jeu, c'est bon. C'est parfait. C'est incroyable. Ça va bien, ouais. Bon, alors ouais, j'étais en train de faire un tunnel pour relier mon trou, faire ma mob, oups, ouais. À la maison. Parce que quand je prends faim ici, c'est un peu pénible. Donc voilà, ça c'est fait. Ce qui fait que je pourrais. Pas de musique. Non, jamais de musique sur Vintage. Hop. Jamais, jamais. Oh, ah non, resub. Coucou ma Coucou Malila, Malila. Merci beaucoup pour ton resub. als drei. Dis-moi. Voilà. Normalement, on a un bébé, hein. Comment vas-tu, Malila? On s'est pas vu hier. Tu t'es remis de ta folle nuit? Ok, ça, je peux y enlever, du coup. C'est très bien. Paf. Voilà. Ouais. Oh, Comète! 23 mois! Eh ouais, Et bientôt 2 ans. bonjour à toi, Merci Hedjit. beaucoup Hello, pour I'm ton resub! Comment ça va? Hedjit Puffy. Oui! C'est bizarre, hein? J'ai eu une idée à la con, très con. Et il est venu. Comment attirer Goldarius? Ben avec une idée à la con. On lui a dit, ouais, tu verras, il va falloir faire un grand trou. Voilà. Une recette de gelée au lilas. De la gelée au lilas? On peut manger le lilas? Alors ça, je ne savais pas. C'est incroyable, hein, de la gelée au lilas. C'est un grand mur. Je savais pas qu'on pouvait manger le lilas. C'est incroyable. Tu vois, peut-être pas poison, mais ouais, je l'aurais pas mangé moi de moi-même. Bon, du coup. De toute façon, là, c'est très calme. Ça sert à rien que je reste ici. On va remonter à la maison. Je vais poser mes cailloux. J'aurais pas dû prendre une bière pour midi. Je m'endors, sinon ça boum. Bah oui, t'es en vacances, toi, c'est vrai. Tu t'endors avec une bière? Non, moi j'ai bu du San Pellegrino au pamplemousse et à la fleur d'oranger. C'est un régal. Voilà. J'en bois très rarement de les bières en fait. Mais oui, fais une sieste, tranquille. Alors, je voulais faire quelque chose de très simple. Je voulais me faire des lanternes. En or, parce que j'ai de l'or. Tant qu'à faire, t'en profiter. Sauf que j'ai plus de charbon. Alors vous allez me dire, un four. Enfin, faire brûler du bois, c'est vite fait. Sauf que j'ai la flemme. Et que j'ai de l'alunite dans le coin. Donc je me disais que je pourrais aller chercher l'alunite. Il faut aussi que je trouve de l'étain. Parce que j'ai de la houille pas très loin. Sauf que bah, je peux pas la récupérer sans pioche en bronze. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Déjà, on va faire un dodo. Comme ça, il fera jour de bain. Parce qu'en plus, c'est l'hiver. Presque, bientôt. J'ai mon café chaud devant moi. Eh ben, j'en veux bien, hein, tiens. Fais tourner le café, Matt. Il fait froid, c'est pas cool. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher de la lignite dans le trou des loups? Ah oui, vous avez pas vu, vous? Oh, il fait pas 6 jours pour voir. Vous verrez au retour. Vous verrez au retour. Puisque j'ai entendu des loups tout à l'heure. J'ai des lances. J'ai combien de lances? 2 lances? 3 lances? Non, 2 lances. Ça fait pas beaucoup, hein. Je suis partie avec tout mon fourbi aussi.
Oh là là. Et oui, parce que je pensais vraiment préparer les lanternes tout à l'heure. Alors, hop. C'est tout plein. Bah, c'est tout plein. Je vais mettre ça là. Ah oui, il y a le lin que je dois donner aux poules. Pourquoi j'ai de la taupe sur moi? Le silex, je le prends, on sait jamais, ça peut servir. Combien de tours de cuillère dans le mug là? Pas 3-4? Bon, alors j'ai vu un coq. Hein. Donc, ils vont pouvoir faire des bébés. La recette sur le Didi Baratapas. Ah, super, Monican. Très bien. Je te remercie. Allez. Oui, c'est bien, j'ai tout réaménagé, mais du coup, je suis perdue. Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi c'est là, ça? Bon, d'accord. Hop. Ah bah non, 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 tu m'étonnes. Bon, bah c'est trop tard pour le lilas, hein. Il y a un petit moment qu'il n'y a plus de fleurs, mais bon. Pour l'année prochaine. C'est que j'en mets mes graines, moi, nulle part. J'ai pas d'endroit en particulier. C'est encore le bordel dans mes affaires. Pas rangé de partout. Je range sur le serveur de Delphinus, alors. Allez. Bon, et quand tu veux, le soleil, tu te lèves, hein? Je sais que c'est l'hiver, mais quand même. Ah oui, j'ai l'épée, là. Ouais. Elle fait pas mal de dégâts, quand même. Les stocks des enfants perdus. Alors, la houille. La houille. Non, la lignite par là, qu'il y a. Seul souci, c'est que je crois que j'ai tout fermé les trous. Non, mais c'est peut-être bon quand même. C'est un sanglier. La gelée de lilas. Enfin, on va pas faire de la gelée avec lilas. Hein. Ah, bah attends, j'étais pas prête. Voilà. Alors maintenant, avec la lance en cuivre, hein, deux coups, ils se barrent. Hein. Ils insistent pas. Hein. Ah, Lucie, il insiste. Hop, 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 hop. Non, tu me fais pas voler. Non, mais dis donc. Oups, à ceci. Hop, hop, hop. La drôle de jeu, la dame. Voilà. Hop, patata! Il y en a un qui arrive derrière. Ah, bah ça va, c'est le louveteau. Va essayer de m'attaquer quand même. Allez, donne-moi des trucs. Allez! Ok. De la viande et de la peau. Bah, bah écoute. Tac. Un pansement, je vais le manger tout de suite. Alors ouais, il y a de la houille par là, sauf que j'ai tout bouché. Intelligence, hein. Et c'est un sanglier. Hop, hop, hop. Stop. C'est joué comme ça. Ah, dans le trou. Sauf que dans ce trou, il y a des gens. Hein. Oh. J'en avais noté là, moi. Par là alors.
Je l'ai pas déjà prise, ce serait noté. Ah, la voilà. La lignite. On va tout prendre les lignites. Ça va être encore un gisement gigantesque, non? Bon, moi ce matin, j'ai refait des panna cotta. Quelques panna cotta aux zestes de citron vert et jaune et des panna cotta nature. Voilà. On pourrait faire des panna cotta au lilas. Oh, ça suffit les loups. Ah, il y en avait dans ce trou en plus des loups. Je sais que j'en ai tué un, mais il me semble qu'il y en avait encore un. Puis surtout des pas beaux, quoi. Bon, quel temps vous avez chez vous? Ici, c'est tout pourri, hein. Ce matin, il y a eu un peu de soleil, et là... C'est pas impossible qu'il pleuve. Et s'il pleut, bah, je vais courir récupérer mon linge. Nuage et pluie, ouais. D'accord. Nuage pour Matt. C'est fini l'été peut-être, non? On a eu 2 jours de beau, où on est crevé de chaud. Et puis voilà, c'est fini. On remballe. Bon, t'en es où de ton projet, toi, sur Vintage, Matt? Est-ce qu'on va avoir besoin de toi pour mon idée à la con? Hé, hey, coucou mon cœur coudoudou. Comment ça va? Depuis hier. Attends, je ramasse plus là. Ouais. Si. Si, c'est bon. C'est des sacrés filons à la lignite. Hein. J'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Bah, tant mieux, hein. Pour être franc, les décos à répète m'ont mis une douche froide les dernières fois, même si on a trouvé la solution, je garde la sève au cas où j'ai envie de la reprendre ou de l'importer sur MC. D'accord. Ouais,
C'était déco, toi, que t'avais, carrément. J'ai eu quelques crashs, mais bon, rien de si terrible. Déco et frise, d'accord. Ouais. Il y avait du vent fort hier soir, ça faisait du bien, mais ça n'a pas duré assez longtemps. Oui, c'est. Est-ce que c'est hier soir aussi qu'on a eu du vent? Ouais, je crois. Oh, je sais plus, je suis déphasée. Moi, ce week-end m'a déphasée. Hein. Sais plus si c'est samedi soir ou hier soir qu'on a eu beaucoup de vent. Bah ça a quand même bien rafraîchi, ça fait du bien. Hein. Ah bah je vais plus en avoir devoir de pioche moi. Alors que je remonte. J'ai entendu idée à la con, mon cerveau connecté quelques neurones à ces mots. Ouais, j'ai eu une grosse idée à la con pour vintage. Et j'insiste pour vintage. Tu nouvelles du patron ou il part en exil? Non, pas de nouvelles. Bah si, il a dit bonjour sur son Didi ce matin, quand même. Bah... C'est pas si pire, non? Mais bon, ouais. Bref. On va pas parler de ça, on va se fâcher. Ouais. Ouais, mais bon. Enfin, bref, voilà quoi. Bon, bah, pioche cassée, pas le choix de remonter. C'est par là? Est-ce que c'est par là? Merde, c'est par où? C'est bien, hein, de creuser dans tous les sens. Après, tu sais plus d'où tu viens. Là. Là. C'est quelle heure? 11h27. Ah oui, ouais. Ah, à crotte de bique. Oui, il veut 2 secondes. Oh, elle a toujours faim, c'est incroyable ça. Il t'en reste en plus dans la main. Bon, est-ce qu'il y a une bête qui va m'attendre Non, ça va. Bon. On va se faire une pioche, puis on va revenir, hein. Il y a des trous, là, à visiter, hein. Faut que je vienne, en fait. Plus dans le trou. C'est fini, hein. Mais je sais qu'il y a du monde dans ce trou. Ça va, c'est un cochenou. Bon, il fait jour en plus, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Les évolutions sur le terrain. Et du coup, ah bah, je peux pas le dire. Il faut venir sur le serveur pour que je le dise. Alors, du coup, j'ai fait ça. Un petit bâtiment pour la forge, parce que j'en avais marre du bordel là-bas. Voilà. Petit bâtiment avec la petite cour pour la forge. Et j'ai agrandi aussi le jardin. J'avais trouvé pas mal de terres hautement fertiles, donc voilà.
Et voilà, bah pour l'instant il n'y a pas de porte, faudrait que j'en mette, ce serait bien. Oh là là, c'est tout pourri. Tout pourri, dis donc. Voilà. Et coucou mon petit loup. Comment ça va? Rien à récupérer. Si. Je vais le replanter direct. Oh, je me prends pas la tête, moi, avec l'histoire de faire tourner. Hein? Ça poussera bien. Ça va, je te remercie. Ça va. Ok. J'ai ça aussi. Voilà. Alors maintenant, je sais pas si j'ai du cuivre à fond encore. Ouais, il y en a là. Peut-être que je peux carrément la mouler, celle-là. Allez. Ouh. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Voilà. Ok. Pas du tout, s'il y en a beaucoup dedans. Je reste pas longtemps, je l'avais réuni en 14 h, mais pas trop enfermé dans son bureau. Hein? Comment ça, enfermé dans son bureau? Il s'est endormi dans son bureau et voilà. Pas mal celle-là. Alors ouais. Il a fait une connerie. Ouais, il ose plus sortir, il a fait une connerie. Pourquoi il y en a plusieurs de lanternes en or, tiens? Donc il me faut juste une plaque. Ça va. Ça va. Non mais. Il m'énerve quand je fais ça. Je crois qu'il est en réunion, mais il m'a pas mis au courant. Bravo. Oh, finaison. Quand même, hein. Il est incroyable, ton patron. Fumé dans la tronche. Tac. Et tac. Ouais, ça va, il devrait tenir le coup. Ouais, il faut deux lingots pour faire la plaque en or. Il est capable de programmer deux réunions simultanées. Les trois... Bah ouais, il est fort, attends. Oh. Bravo. Bravo. Alors attends, où c'est que je l'ai mis le... Non, non plus. Là, non plus. Charbon de bois lignite, un petit peu, ouais. Eh ouais, j'avais commencé à la faire en laiton, mais un seul lingot. C'est problématique. Hop, hop. Comment ça, miam miam? T'es en train de manger du gâteau? Ou c'est juste ton café qui te régale? Attends, faut que je mange d'ailleurs. Histoire d'être tranquille. Hop! Hop! Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, ça. Pourquoi ça s'est mis tout noir? Ça fait peur, hein?
Tu ne stresses plus. Ouais, j'ai loupé quelque chose, non? Bonjour Hugo. Ah, pas du tout. J'allais jouer. Ah, pour ça. Ah. Je comprends. Le lingot peut être, il ressemble à des pimousses au citron. Oh, les pimousses, c'était bon, ça. Je sais pas si ça existe encore. Et non, c'est pas Minecraft du tout. C'est fou, hein. Et ouais, Vintage Story, bah c'est écrit, hein. J'ai bien mis la bonne catégorie quand même, je me suis pas trompée. J'ai fait les choses comme il faut pour une fois. Bah ouais. Bah c'est du sucre, hein, c'est tout, Kerko. Hein. Faut que t'aies dit ça, hein. C'est du sucre, faut pas abuser, c'est pas bon. C'est tellement bon. Ok. J'avais pas un truc à faire couler, moi. Ça doit être chaud, non? Bah ouais. Ah bah voilà. Allez, on recommence. Enfin, on continue. Mais ouais, les pimousses, quoi. Trop bon. Il y a une commande pour connaître toutes les commandes par Zazar. Je crois pas. Je crois pas. Ça, je pourrais y rajouter sur ma liste à faire. Du quartz, j'en ai, des bougies, j'en ai. Je vais être bon. Donc les lanternes en métal, c'est 18. Celles en bois, c'est 16. Donc c'est bien. Ça fait une bonne source de lumière. Voilà. C'est déjà nuit. Oh. Si je la fais. Alors. Bougie. Et c'était le quartz. Ça, c'est du borax. Je sais plus si c'était celui-là. Morceau de quartz. Non, je crois que c'est le quartz clair. Hein. Et si tu as assez d'argent, tu peux faire une lanterne supérieure. Une lanterne supérieure? C'est quoi ça, la lanterne supérieure?
Ça alors. Non, c'est 18 aussi. Les tombes, c'est ce que je voulais faire. Ah, celle-là? Ah oui, 20! Ah, il me semblait qu'il y en avait une qui faisait 20. Plaque en or et plaque en argent. Non, mais 18, c'est déjà bien, non? Après, j'en ai de l'argent. Je sais pas. Comment je peux l'enlever des utilisateurs? Ah, mais. Stream élément est banni chez Clampin. D'accord. Ok. Tout va bien. Donc, oui, quartz clair. Ouais, de l'argent, j'en ai deux lingots, donc je peux faire une plaque en argent. Hein. Je peux le faire. Mais non, je voulais garder mon argent pour autre chose, pour faire de l'alcool. Alors, du quartz clair, je dois en avoir, mais dedans. Oh, les poules. Il y en a une tout à l'heure, elle est rentrée dans la maison. Bah, je l'ai tuée. Voilà. Hop, alors. Morceau de quartz, ouais, bah, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. Morceau de quartz. J'ai que des morceaux de quartz. J'ai pas du quartz. Quartz clair. C'est sérieux? Non, c'est une blague. Merde. Merde, boum. Comment ça se fait que j'en ai pas? Tu peux le faire avec les morceaux de quartz ou pas? Ben ouais, mais je peux pas. Ah, attends! Grand cristal, si je le casse avec un marteau. J'en ai où des grands cristaux? Je sais que j'en ai. Merde, je les ai mis où? Dis-moi que je les ai pas achetés quand même. Je suis pas bête à ce point. Voilà. Alors. Ben voilà. Et ben c'est bon. Attends, toi tu viens là. Tac, tac. La bougie. Ben voilà. Ok. Ben, du coup, ça va être mieux que la torche. Est-ce que j'avais un porte-torche? Non. Vraiment. J'en ai pas ramené. C'est quand que tu te décides à nous rejoindre, on a besoin de paires de bras pour une idée à la con. Ouais, j'en ai parlé. J'en ai parlé de l'idée à la con. C'est quoi ça? Portail? Non, j'ai pas de. J'en ai plus. J'en ai pas récupéré en fait. Bon, bah on va faire dodo. Et puis. Ensuite, on ira fouiller dans le trou. C'est pas encore assez assez froid. Ouais, il faut vraiment que je garde l'argent parce que qu'est-ce que j'avais dit pour l'alcool? C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce que c'est, Matt? Ah, mais ça vient d'un mode, alors non, tu dois pas savoir. C'est rigolo. Ah ben voilà. Allez, un de plus. Deux bras de plus. Donc non, c'est pas ça que je cherchais. C'est l'alcool. C'est pas là. Là. Il y avait la chaudière. La chaudière, voilà, déjà il faut. Oh, ça va me bouffer combien de d'argent ça? Tiens, garde-le bien ton fer à souder, Delphinus, hein, t'as vu? On en a besoin. Et le condenseur. Est-ce que c'est. Du plomb, j'en ai. Ah, j'ai que ça. Après, du plomb, je peux en trouver facilement. Hein. C'est pas hyper rare. Coucou Langoustin! Ben, Delphinus va t'inviter sur son Didi, du coup, Matt. Et puis voilà. Alors, maintenant on va dodo. On va dodo. Est-ce que j'ai du bois sur moi? Oui, enfin des bâtons, oui. J'ai un peu de grain. Pas beaucoup, hein. Coucou Morana, comment vas-tu? Déjà debout? Oh là, oh, je me croirais dans la vraie vie. Oui, c'est bon. Il a 700 spawn. Corrompre, pervertir, séduire, inviter. Malou, Calypso et Arcon. Oui. Alors Arcon, il nous prend pour des idiots, hein? Balou, ça va être très très compliqué. Mais je pense que Calypso, on devrait pouvoir y arriver. Alors, t'as vu, j'ai fait des tartes à la fraise. D'ailleurs, on va en prendre. Voilà. Comme ça, on est bien. Ouais, c'est pareil, là, ça a commencé un petit peu à pourrir. Il va falloir que je m'en occupe. Elliot, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton follow. Comment vas-tu? Alors. Et la farine, j'ai dit que je la rangeais où? Là? Non, on ne sait pas. Allez. Un jour, je rangerai comme il faut. N'aie pas peur, Elliot. On mord pas. On prévient avant, du moins. La graisse, j'en ai plus de graisse. Ben non, j'en ai plus. J'en ai plus. Merde, 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 merde. Bon, ben. Ça, c'est ballot. C'est les cochons aussi, ils font aucun effort. Hop, voilà. Ah, ben, ça va bien. Tant mieux. Irana, il m'a pas répondu, Irana! Bof, bof, il m'a dit. Comment ça, bof, bof? C'est le travail qui t'embête? Je vais ranger les bougies. Hop, on les met là. Oui, Aou. Carrément. Eh, c'est chez moi, hein? En plus, j'ai perdu ma lance en cuivre. Attends, je sais si je récupère pas la tête. Je l'ai pas récupéré, ma lance en cuivre.
Puis là, ça va être trop tard, à mon avis. Il y en a des lucioles, c'est l'hiver, il y a des lucioles. Alors pourquoi j'arrive pas à les attraper? Essayer d'éviter les loups. Et nous, on va après. Par là-bas. Ben là où il y a un loup. Parfait. Contourner quand même. Où est le trou? Ah, il est juste là. C'est quoi là-bas? Allez, on y retourne. Ça va. Ah oui. C'est bon. Ouais. Hop. Punaise. Coucou Macara. Comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Ah bon, ça te rappelle quelque chose? Ça t'est jamais arrivé à toi? Il s'est passé, c'est déjà bon sang de bon sang de bonsoir. Et au fait, pour les soucis que t'avais peut-être trouvé la cause, t'as pu faire quelque chose? Irana, joyeux anniversaire à Kara, t'as raison. Décidément, je m'en veux, hein. Je vais finir par me faire mal, hein. Manger. Dentiste, fin juillet, j'ai 3 rendez-vous défilés à voir. J'ai de plus en plus de migraines aussi à cause des dents. Donc... Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'aurai mon rendez-vous annuel chez le dentiste en septembre-octobre. Quand il va voir le trou dans ma dent, je vais feindre que je m'en suis pas rendu compte. Ah bon? Tiens donc. Mais c'est pas ma... c'est pas de la... c'est pas de la dent en fait, c'est du... c'est de la couronne, je pense. Il me semble que c'est une dent couronnée. Alors. Couronnée ou réparée, je sais plus. Parce que je sais ce qu'il va me dire, hein. Il va me dire, faut pas manger des bonbons. C'est pas ma faute, c'est Lila qui m'en envoie. J'intéresse à bien fouiller parce qu'il y en a de partout. Si je pouvais trouver autre chose, j'ai pas de pioche de prospection sur moi. Bah non, pourquoi faire? Quoi de beau, quoi de beau? Ouh là là, on est à fond hein, sur Vintage, j'ai l'impression, avec Delphinus. On s'est couché très tard samedi. Puis là, on recrute à cause de mon idée à la con. Caché pour le dentiste. Oh, je l'aurais pas dû croquer, hein. Je le sais, hein.
Les fausses dents, c'est pas aussi costaud que les vraies. Très tôt dimanche matin. Ouais, si tu veux. Je veux la lignite, c'est tout. Non, j'ai cru entendre un bruit bizarre. Non, j'ai dû rêver. Ah, je peux pas le dire. Je peux pas le dire car faut être sur le serveur pour que je le dise. C'est trop con pour que je le dise devant tout le monde comme ça. Écoute, je l'ai dit à Delphinus, ça faisait 2 jours que ça me trottait dans la tête. Que je me disais, ah, oh, ça serait bien sur Vintage. Oh, qu'est-ce que ça serait bien? C'est très con, hein, par contre. Hein. Très, très con. Plus con que les égouts. Ah oh, oui, pauvre Matt. Oh là là. Porte plainte, hein? Ce qui est marrant, c'est la facilité avec laquelle on a réussi à convaincre Goldarius, tu vois. Mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à farmer, hein. Qu'on se mette d'accord sur les matériaux. Oh, je sais que vous êtes là. Je vais venir. Un projet sur un nouveau jeu avec les copains. Ah, il suffisait de dire idée à la con hein, pour Goldarius. Hein. Franchement. Attends que j'ai des idées à la con pour la V4. Attends. Aïe! Merde, je suis dedans. Laissez-moi sortir! Je vois rien en plus. Voudrais sortir. J'ai l'impression que je casse partout autour de moi, mais pas les bons. Ah, voilà. Ouf! Il nous a entendus. Delphinus partageait son le jeu? J'ai pas fait attention. C'est sûr qu'avec toutes les conneries qu'on a dit, oui, il a pu se marrer. Me rappelle plus. J'étais bien fatiguée, moi, tiens. Ah ouais, si tu le dis, Malila, je te crois. Tant qu'on était dans le trou avec l'élan shooté. Ah oh, oui, c'est vrai. C'était bizarre cet élan quand même, hein. Il nous reniflait. Je sais pas trop si ça veut dire qu'on puait ou qu'on sentait bon. Croyez qu'un jour je vais en sortir de ce trou? Ah! Mais j'ai pas fini en bas. Je vais encore être enseveli, hein. Oui, c'était bizarre de voir. Laissez-moi sortir! S'il vous plaît! Ben mince. Alors.
Il tournait sur lui-même, c'était très bizarre. Je crois qu'il reste derrière, non? Je m'en rappelle plus. Où je suis? Là. Bon alors, ton patron, il est sorti de son bureau, Delphinus? Il est réveillé? Ça se trouve, il faisait que dormir, hein. Je te dis, il dort. Soit il dort, soit il fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que tu préfères? Ben voilà, au moins tu peux bosser. C'est exactement ça. Sais plus où j'en suis, hein. Aïe! Mais non, mais ça fait mal à la fin, hein. Stop! Il est tombé dans une mare de Nescafé. Ah, c'est le retour du soleil chez moi. Après le live, il faut que je fasse le tour du potager. J'ai plein de légumes à ramasser. J'ai encore un concombre, des haricots verts qui ont super bien poussé là depuis la dernière récolte. Faut que je regarde les cornichons parce que ça pousse. T'as pas le temps de t'en rendre compte. Ah, les cornichons du jardin, c'est tellement bon. J'espère que j'en aurai bien cette année, que je puisse en faire des réserves pour 2-3 ans, tu vois. Alors attends, parce que je suis sûre qu'il en reste. Oui, Pico. Ouais, mais même le concombre du jardin, hein, ça a rien à voir avec ce que t'achètes, hein. Le goût, mais pff, rien à voir. Ouais. Alors t'es pas obligé de les faire au vinaigre. Moi j'en ai fait au vinaigre et j'en fais aussi en lactofermentation. Tu gardes vraiment le croquant comme ça. C'est l'idéal, hein. Mais le vinaigre, oui, c'est plus simple. Tu mets ton vinaigre et puis voilà, quelques épices. Moi aussi, j'aime le vinaigre. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait du répulsif à mouche avec du vinaigre. Un peu de vinaigre blanc, d'huile essentielle de lavande dans un pchit. Et voilà. J'en ai vaporisé tout autour des fenêtres, des portes. Le gamin, ça sent le vinaigre. Ah oui, ça sent bon. Bon, est-ce que j'ai tout récupéré cette fois-ci? Je sais pas si on reste pas encore en bas quand même, non? Ah, moi quand j'étais gosse, je mangeais les pots de cornichons. Voilà, c'était obligé, c'était écrit 100% Edgy, hein. Et après, je buvais le vinaigre qui restait. N'importe quoi. Alors, où c'est qu'on sort? Bah là. Juste. Ouais. Comment je fais pour monter? Hein, d'abord? Comment qu'on monte? Ce
qui font mariner les cornichons avec de l'oseille. Je vous déteste avec toute ma bienveillance. Pourquoi? Mais je savais même pas qu'on faisait avec de l'oseille. Mais pourquoi, Matt? T'aimes pas l'oseille? Par contre, ouais, c'est la première fois que j'entends avec de l'oseille. Moi, je mets des graines de moutarde, de l'estragon. Mais non, pas d'oseille. Je garde mon oseille pour faire des bons plats. Comment je monte, moi, hein? Ça a encore tout se casser la gueule sur ma figure. Oh, je suis obligée de prendre les blocs comme ça. Non, c'est nul. Je pourrais faire. Le problème, c'est que je vais casser ça et ça va tout me tomber dessus. Là. Hop. C'est moi sortir. Si on allait voir là-bas. Quelqu'un? Il y a quelqu'un. En tout cas, il y a des gens. Pourquoi il y a des... Non, non, il y a que... Pourquoi il y a des gens et quelque chose à protéger... Oh, il y a un an... il y a un truc en dessous. Il y a un engrenage. Hey! C'est pas bien ce que vous faites! J'ai un moucheron qui me vole tour là, il est en train de m'énerver. Vas-y, hein, tire-toi dessus, ça me gêne pas, hein! Chut, tais-toi! C'est marrant ça qu'il y a un engrenage comme ça. Une plante par là ou... Oh, c'est quoi? Du soufre. Il va me... Voilà. Oh non, attends. Non, c'est bon. Bon, 5 utilisations, ça va. Ah bon? T'attends une livraison et elle arrive pas? J'ai pas une arme qui traîne quelque part. Attends, on va regarder. Il semble que j'avais eu quelque chose. Des flèches, oui, c'est bien. Une hache, pour l'instant je vais pas en faire grand chose. Là non. Va. Une falx, c'est toujours mieux que rien. Hein. Une tête de falx. J'ai plus de bâton, par contre, je suis morte avec. J'en avais pas vu une en bronze. On va aller chercher des bâtons. Ça va faire. Ouais, je l'ai pas mis en infini. Donc toutes les 20 utilisations, bah voilà. Enfin, après, c'est pas un problème, hein, des engrenages verts, j'en ai. Avec la ferme à mobs, franchement, c'est. C'est bien. Buisson avec du bois dedans. Où c'est qu'il est? Framboise, c'est bon ça. Manger les framboises. C'est le trou aux nounours. Il y a un coq mort, ok. Hop!
Allez, on n'a pas peur, on y va. On va lui casser sa gueule. Peut-être. On va essayer, quoi. Déjà, faut aller dans le trou. Hop, là, bah, j'ai failli y aller très très vite. Alors, l'entrée du trou, elle est là. Très bien. C'est quelle heure? 16h13, bientôt il fait nuit. Chouette! C'est le moment pour y aller. Très très bien. Bah oui, j'ai pas de torche. On arrête. Merde. Ouais, je suis jamais ressorti normalement d'ici. Sans torche, ça va pas être possible, hein. Ils étaient deux. Oui, ils étaient deux, mais bon, il y en a un que j'avais commencé à bien cogner. Voilà. M'a pas vu. Je suis passé à 50 cm de lui, m'a pas vu. Lui m'a vu. Non, non, mais oublie-moi. Voilà. Chose à faire. Alors, bah, je vais prendre une lanterne, hein. C'est pas bien grave. Je vais prendre celle qui est ici. Hop. Hop, voilà. Comme ça. On y va maintenant? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Il a senti mes fesses. Ah oui, il avait senti mes fesses. Delphinus, il lui aurait pété dessus, c'était bon. Plus de problème. Non, mais on lui dira en privé à Kara l'idée à la con. Alors, ils sont où ces petits cons? Alors, qui veut se battre? T'es sérieux? Ouais, alors si c'est pour faire ça, les gars, c'est pas cool. Ah oui. Hop. Est-ce que j'ai autre chose? Alors ils sont où? C'est... Hein? Oh, du borax. Ouais, bah je suis en cuivre. Il me faut de l'étain. Ah, il y a plein de borax. Ah, ça ne note pas? Si, ça l'a noté, c'est bon. Moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu de cache. Il y avait des engrenages qui traînaient comme ça. Alors, par contre, il y a d'autres trous, hein. Il y a celui-là. Très profond. Oh, il y a des cadavres là-dedans. On va rentrer, on va faire dodo. On va se préparer mentalement. Et on reviendra. On reviendra. Il faut absolument qu'on trouve de... Ouais, wouf wouf. De l'étain. Ah, ça suffit, hein. Oh. Pénible. Tant que j'ai des lances. Ouais, il me faut de l'étain, il faut absolument que je puisse refaire du bronze. Il faut de l'argent, faut plein de trucs, hein. Du plomb, mais ça je crois que j'en avais noté quelque part. Allez, on va passer par là. Ouais, du coup les buissons, je vais les mettre là. Petit buisson de baie. Comme ça. Hop.
En plus, j'en ai des portes, il me semble. Celle-là, on va la poser. Celle-là, on va la remettre à la forge. Poussez-vous les poules. Et de magasse. Voilà. Ça éclaire vachement bien, hein, ces lanternes, c'est trop bien. Voilà, on met des portes. Non, des vraies portes. Non. Là. Le problème, c'est que j'arrive à confondre toutes les parties. Ouais, mais ça, c'est des grandes portes. On peut pas mettre ça dans le jardin. C'est ridicule. C'est pour quand je ferai un château. Ouais, celles-là, elles sont super hautes. Puis en plus, elle est rouillée. Alors là, j'en ai une, tiens. Une, c'est toujours mieux que rien. Hein. Il m'en reste pas du caillou. Un caillou. Qu'est-ce que je peux... l'argile, ben, j'en ai de l'argile. J'en ai déjà de ça. Tac. Alors. Donc ça doit marcher avec le rouge. Voilà. Hop. Attends, toi. Hey! Ça va pas, non? Ah, c'est celle-là qu'il fallait que je prenne. Comme ça, je les ai sur moi. Aïe! Attends. Ça suffit. Plus à cause de lui, j'ai mis ma porte n'importe comment. Bon, alors, est-ce que t'as quelque chose sur toi? Rien du tout. Ça m'aurait étonné. Je les entends. Ah, c'est moyenne. Je m'occupe du poulet. Il y a du peuple, hein, c'est pas juste moyen là, c'est pas vrai. Il y a vachement de monde. Hop. Alors, je l'ai rangé. Ouf. Beaucoup rangé, hein. Ça, c'est du borax. Bon, ben, je vais en mettre là. C'est ce que je te dise. C'est tout plein. Faut que je refasse des coffres. Ah, mais je crois que j'ai ce qu'il faut pour faire des coffres. Des planches, j'en ai. Tac. Chose de cuit, non. Ah.
Ah bah, il y en a un qui était dans les ronces. Bravo! Alors, un coffre, on va mettre tout son charbon dedans. Ah, foutez-moi la paix. Je suis occupée, je suis pas. J'ai pas le temps pour jouer avec vous. Alors, où je le mets mon coffre? Là? Allez. Oh, ça valait le coup d'aller en chercher. Hein. Tac. Je te vois. C'est pas beau d'espionner. Hop. Hop. Et voilà. Bon, là déjà, je suis un petit peu tranquille avec le combustible. Oh, j'ai les poussins qui ont bien grandi, il y en a partout des poules. Et le coq qui dort au milieu. Ben voyons. Ah oui, le loup. T'essayes de venir chez moi? Vraiment? Je rêve. Merci. Hop. Ah oui, langoustin, pareil. Allez. On a un énorme projet, idée à la con. Alors, où c'est qu'ils sont? Il n'y en a pas d'autres? Bon alors, à manger, j'ai ça. Je peux poser plein de choses. Oh, ils sont encore là. Mais vraiment? Ils crament sur les jardinières. Non mais c'était sérieux? Ah non, non, on te la dira en privé, l'idée à la con, Makara. Je vais pas la dire comme ça devant tout le monde. C'est beaucoup trop con. Là. Alors, il n'y en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner? Du lin. Oh, c'est toujours ce prix, hein. Ça aurait pu être pire. Je vous préviens, les poules, hein. Vous rentrez chez moi, je vous tue. Ah ouais? D'accord. Ah, pas du tout ça. Ça va pas du tout, Makara. Ouais, de la viande, je dois en avoir en bas. Faut que je pose le cuir aussi. Tout à l'heure, je l'ai posé n'importe où. Hop. Cuir que je peux. Je peux en préparer un, hein, quoi. Voilà. Ensuite, de la viande, théoriquement, j'en ai quelque part. J'ai des œufs aussi, il va falloir que je les fasse avant qu'ils s'abîment. Ah, on a que trois. Oh, je sais pas si j'ai de la ficelle quelque part, moi. Est-ce que j'en ai dans les jarres là-bas? Peut-être. Alors, je pourrais pas te dire le plus gros serveur VS comme ils sont dessus. Hein. Ah, mais il y a un mec là. Il y en a d'autres? Non? Bah, va falloir être nombreux, hein. Je sais plus si je peux avec ça. Non, pas avec ça.
Avec rien du tout que j'ai là. Ah ben voilà. Hop. Mettre à fumer. Oui. Par contre, ouais, il y a des comme le fumoir. Toujours mettre du bois dedans, quoi. C'est dommage. Oh, puis on va se dépêcher d'aller dans le trou avant la nuit. Ah, Matt qui avait oublié de demander si c'était on était nourri, blanchi et logé. Ah, tu fais comme tout le tu chasses ta viande. Allez, on y retourne. Allons voir ce qu'il y a dans ce trou. Essayons d'éviter les loups. Clampin, tiens, on n'a pas une nouvelle de Clampin aujourd'hui. J'espère qu'il va bien. Hop. Il est où ce con de loup? Ah, il est là. Je sais pas si je peux passer par là, je crois pas. Si. Ah si. Mais ouais. Ça m'arrange pas. Hop. Wouhou! Hop, hop, hop! Tard, décidément. Je suis où là? Alors, bah, y a de la lignite apparemment. Oh, il doit bien y avoir autre chose. La pioche, elle est dans... Hein? Bah, dis donc, tu rigoles? C'est quoi ces façons de faire? Ça? Ils sont sans gêne, hein? Ouais, la lignite, quoi, ça c'est sûr. Mais moi je vais aller voir plus bas. Déjà, je suis assez contente parce que je vais plus facilement dans les trous. Bon, je meurs dans les trous, mais c'est pas grave. Non, j'en ai pas sûr. J'ai de quoi m'en faire. Ah, mais ils ont tous décidé de venir m'emmerder, hein. T'es trop nul! Tu veux que je joue moi aussi? Ouais. Moi aussi je suis nul. Ah. Ah. Et réfléchis. J'arrive pas à le taper. Comment ça se fait?
Bon, ils sont tombés. Ah ouais, ça. Lui, il s'est scratché par terre, c'est ça? Trop nul. Tiens. J'ai pas de la terre sur moi, un truc pour bloquer. Pour les empêcher de passer. J'aurais préféré de la terre, mais bon. Pire, ça se casse la main, ça. Bon, alors il est où ce con? Hop. Ouais, tiens, il a fondu, il a régressé, tu m'étonnes. Ouh là là, c'est vieux ça, mon carco doudou, hein, tirer la fronde. Hein. Bon, c'est lui qui grogne. Ah, vous êtes plusieurs. Ah merde. Ah, c'est... Ouais, bah vous êtes aussi doué que moi, quoi. Ils peuvent pas monter là. Bah, tirez-vous dessus, hein. Si vous voulez, hein. Tiens. Je sais, je n'étais même pas née. Oui, c'est super vieux, ouais. Moi, je me rappelle en avoir regardé petite. Mais ouais, c'est super vieux, tirer la fronde. Ah, mais c'est vrai que t'es jeune, toi, Carcourt. T'es un petit genou? Aïe! Eh, t'as pas le droit! On tape pas les filles! C'est quand même plusieurs. Hein. Avec un peu de chance, ils vont se les balancer dessus, non? Coucou, ya! Ça remonte depuis de 20 ans maintenant. Ouais, ouais, bah. Oh putain, il a réussi à monter lui. Je sais pas comment il a fait. Un plus intelligent que les autres. Ça pourrait rien donner, quoi. Franchement. Faut que je mange. Ah, ils ont trouvé un chemin. Balance tes cailloux sur toi. Ça me va parfaitement. Hé hey! Merci. Merci, merci. Ouais, ouais, hein. Voilà. Ça suffit. Parce que quand il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Oh, y a du borax. C'est la zone à borax, hein, j'ai l'impression. Si je pouvais éviter de mourir là-dedans. Oh! Hé hé hé! Oh oh. Alors oui, hé hé, mais oh oh. Oh. Mais meurs? Coucou Tiam. Ouais, ça doit être ça, c'est les années 60, ouais, Thierry Lafronde. Alors je sais pas où ils sont, hein, mais je les entends. Rien du tout, ok. Il y a des jars. Oh là, je l'entends. Peut-être pas m'atteindre, hein. Je pense que s'ils pouvaient, ils m'auraient déjà. Oh, mais. Waouh! J'en ai une sur moi de jarre.
Non, hein? Bonjour, madame. C'est bien pratique que vous soyez là, dis donc. Elle était sûrement la falque sans bronze. Je savais que j'en avais une, hein. J'ai pas besoin du radeau. G. Par contre, ça tourne, hein. Elle est pas forcément dans le bon sens. La lignite, ouais, ben. Encrenage. Hop, la peau, je vais la mettre là. De l'argile, pourquoi pas. Sinon, tu vas bien, Tiam? T'as passé un bon week-end? Ouais, bah je vais prendre les bâtons, hein. Du chaume, pourquoi pas. Voilà, des roseaux. Hop. Un couteau en cuivre, si j'ai bien vu. On va le garder parce que l'autre il est quasiment mort. Ça, on n'a pas besoin. Je vais remonter. Ils sont juste derrière, hein. D'accord, des pelles. Ouais, pourquoi pas. Pelle, hache, en bronze? Eh, en bronze éteint. Des bâtons, je prends. Non, c'est juste qu'il est vide. Ok. Juju! 974. Ah, réunionnais, c'est ça? Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. Morceau de quartz, ok. Oui. Bon, bah, elle est pleine, hein. Cette fois-ci, c'est sûr. Oui, bah, alors là, je suis dans le noir, voyez-vous. Hop, voilà. On va quand même essayer de la prendre sur notre dos. Dis-moi que je l'ai mis sur le dos. Non, toujours pas. Putain. J'ai un mal fou à les mettre sur le dos, quoi. Ouais. Oh! Il m'a fait peur! Méchant! Tu viens d'où? J'en ai lâché majeur. Ouais, ils viennent de là. C'est bon. Ah, et on... Si on peut dire ça, j'ai attrapé une bonne bronchite, cloué à la maison, tu... Dire, ça change pas de dame. Ouais. Ben dis donc, repose-toi bien, hein, parce que ça épuise la bronchite, hein. Qu'est-ce que j'ai là dans le nez? Tiens, en fait. Merci. Pourquoi j'y arrive pas? Voilà. Bim! C'est pas grave, est-ce qu'on en a un autre? Par contre, alors ça y est plus rien. Y a rien. Et là, oh, c'est quoi? Non. Il m'a semblé voir des outils. Ah non, c'était du miel. Ouais, ok. Bon, bah voilà, hein. Bah, elle était pas si mal que ça, c'est une petite cache, hein. Mais je suis où là, en fait? Ah, je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau, ok. Et les vilains, ils sont par là. Hop. Sympa, hein? Sympa. Il y a des mods? Oui, il y a quelques mods sur ma partie.
putain, il y a du plomb là. Je sais pas, j'arrive pas à voir si je l'ai noté. Ouais, ils sont là, les mecs. Je vais pas leur donner de chance de venir. Hein. Sachant qu'ils peuvent arriver par derrière en plus. Oui, oh. Ouais, il y a des mods. J'ai mis la liste des mods sur mon Discord. C'est marrant, ils essayent pas de me lancer des cailloux, hein. Ah, c'est plein de plomb ici. C'est où que ça grogne maintenant? Attends. C'est peut-être un idiot. Mais voilà. Ok. Bon, à nous trois. Rien du tout. Rien du tout. Et rien du tout, super. Bah, je vais prendre le plomb. Parce que bah, j'en ai besoin. Et là, je suis sous l'eau, par contre. Donc, pour faire une sortie rapide... Oh, ça a failli être plus rapide que prévu, même. Hein. Je veux mon plomb. Il est où? Là. Ma vie. Oui, t'inquiète. Que veux-tu qu'il m'arrive? Regarde. Je mange. J'ai encore de la tarte à la fraise, c'est bon, hein, je risque rien. C'est ma pioche surtout qui me fait souci. Comme quoi, hein, c'est important d'y aller dans les trous, Malila, hein, tu vois. On n'ose pas, mais il y a plein de choses dans les trous. Bon, j'ai pas d'étain. C'est vrai que j'aurais bien aimé trouver de l'étain aussi. Peut-être même plus que du plomb. Ben voilà! Ah, ça c'est con quand même. Oh, activité des fissures temporelles élevée. Attends, je m'en suis mise une dans un coffre ou pas? Ouais, j'ai au moins une falx. Par contre, des lances. J'ai des flèches, mais bon, là. On va prendre une pelle, on sait jamais. Zut, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai aucun bâton sur moi. Là, il a éteint la lumière, oui. Oui. Bon. Oh, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est quoi là? C'est bientôt la nuit en plus. Mon cadavre, il risque rien. Il y en a bien qui vont tomber. Hein. C'est rigolo que je fasse une lumière verte comme ça. J'aime bien. Il y a du silex dans les murs. Mais de toute façon, c'est pas le caillou de problème, c'est les bâtons que j'ai plus. Y a personne qui tombe? Vous êtes sérieux? Merci pour le clip, Malila. Personne qui tombe, non mais vraiment quoi. Nul. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Même si on y va de nuit, on va trouver plein de monde. Hein. Y a pas une poule qui est rentrée quand même.
Ça, c'est pas fini de cuire. Ok. On va faire un petit tour en voiture. Faut qu'on soit sage en plus. Ils ont compris la supercherie. Ouais. C'est fort possible, hein. J'ai l'impression qu'ils deviennent intelligents, moi. Non, si elles sont toutes dehors. J'arrive pas à les ramener au poulailler. On peut faire le bordel. Ouais! Tu nous mets de la musique? On chante à tue-tête? Il pleut déjà chez toi, ça risque rien. Bah, de toute façon, il va faire nuit quand je vais me lever, hein, c'est sûr. Voilà. Oh là là, le temps! Par contre, c'est calme. Effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Oui, mais moi, je suis sans lumière. Bah, on va aller chercher une lanterne, hein. Tant pis. J'y vais pas dans le noir. Déjà parce que je trouverai pas mon chemin. Je suis pas sûre que ce soit utile que j'ai pris une pelle. C'est pas pelleté que je vais avoir besoin. Allez. J'ai rien pris à manger du tout. Oh. Il suffit que je récupère mon cadavre et c'est bon. Hein. On voit rien du tout par contre. Tant que c'est pas le patron qui chante, le ciel est sage. Ah bon? Alors tu dis ça parce que tu m'as jamais en ch entendu chanter. Apparemment, je chante faux. Ah. Tiens, il me met pas mon point de mort dans l'eau. Voilà, il y a un loup qui court après une bête. Ils vont tous s'y mettre là. Ah, non, me mangez pas, je suis pas bon. Ah si. Il m'a tombé bien dans l'eau. Là, ça fait un peu haut, je vais faire mal. Je peux pas me faire mal. Où est l'entrée du trou? Je sais même plus par où je dois aller. Voilà. Là. Ça va, ça va. Personne qui m'a suivi? Non. C'est ça. C'est ça, mon carco. Bon. Alors, de toute façon, c'est pas un vilain qui. Ça l'a pas. Qui nous a tués? Hein? C'est un effondrement. Mon pauvre corps. Non. Hop. Putain, je vais pas y arriver. Ça me saoule. Ah, ça y est. Ouf. Voilà. Alors, ouais, c'est bon, j'ai un peu de place. Rayon de miel, tu parles d'une affaire, franchement, c'était pour me donner ça. Voilà. Bah, j'y retourne, hein, évidemment. Des affaires qui sont à moi ici. Ouais, alors là, ça va se casser la gueule. J'ai pas pu ramasser le plomb, si. Ah, il m'a fallu que ce par terre. Quelle idée. Ça, pour l'instant, ça a l'air calme. Attends, voici. Hop, voilà. Bon, après, on se casse, hein.
toute façon, on n'aura plus rien à faire dans ce trou. J'aurais dû penser à prendre ma pioche de prospection, parce que ça se trouve, il y a d'autres affaires. C'est bien calme. J'aime pas quand c'est calme comme ça. Ça y est? Il n'y a plus rien. Je sais pas si j'aurais le temps si... S'il y avait de l'eau qui s'infiltrait, si j'aurais le temps de... Putain. Qui a fait ça? Petit cochon, voyou! Oh, même que je sais qu'il n'y a pas de creeper, j'ai quand même eu peur. Oh le voyou! Je suis quand même profonde, j'ai l'impression. Hein. J'ai peur de ne pas avoir le temps de remonter. Oh! Je peux me faire des pansements avec ça. Lila. Ok, bah écoute, j'ai pris tout ce qu'il y avait à y prendre. Alors, je sais pas si je peux pas les récupérer, les caisses quand même ouvertes, et en faire des caisses fermées. Tu vois. Bon, il y a des toiles d'araignée dedans, mais... Ah ouais, je l'ai détruite. Bon, tant pis. Oh! J'ai failli partir sans prendre tout ça. Ouais, bah le reste, il n'y a rien à récupérer. Il n'y a plus rien. Tant pis. Mais... Il y a un truc là-dessous? Non, il n'y a rien. Ok. Et le borax, et ben un nouveau outil, bronze, pauvre petit lapin, qui s'est fait mal, qui a pas fait attention, qui a pas écouté sa maman. On ferme ce soir du coup, je sais pas. Je sais pas, faut voir avec Daphinus, avec le chef. Mais ouais, je pense qu'il faudrait commencer à farmer, hein. On va la prendre, la lignite, on va pas la laisser. Hein. Sauf que je suis pleine. Ah ouh, ça va, hein. Ça va, les loups, hein. Ma pioche, je vais la casser. Si j'ai marqué d'autres coins avec de l'étain, je crois pas. Après du bismuth, machin, tout ça, j'en ai jamais trouvé. On peut le faire, comme ça vous faites des trucs plus sympas en live. Ouais, mais je sais plus qu'est-ce qu'on a dit qu'on pourrait faire. Ah oui, je m'en rappelle. Si, si, c'est bon, je m'en rappelle. Eh ben voilà. Il faudra que je revienne. Bon, on sait où il est maintenant. Il n'y a plus de soucis. Hein. Hop. On récupère ça. Enfin, on récupère. Y a rien du tout. Ah si, je suis pleine. Hop. Taisez-vous, les lois. Taisez-vous. Par là, il n'y a rien.
Et attends, non. C'est où j'étais allée tout à l'heure? Si, c'est par là. Et j'ai dit que par là, il n'y avait plus rien. Bon, bah, on se casse. Là, c'est un faux trou, ça, tu vois. Ouais. Et là-bas? Bah non, c'est là où j'étais tout à l'heure. Je suis perdu. Donc non, là, je suis pas allée. Si? Oh, je sais plus. C'est où je suis allée tout à l'heure? Non, c'est pas là. Bonjour, y a quelqu'un? C'est moi. Y a rien du tout. Bon, ben on se casse. Il y a des stalagmites qui montent. Mais c'est tout. Donc on va rentrer à la maison. Ranger le plomb. Éviter les loups. De ce côté, il n'y avait rien. Il y a toujours la ruine que j'ose pas faire là-bas. C'est quand même dommage de pas oser la faire. Oui, le dos droit, le dos droit. Bah, t'en es plus sûr que moi alors, Makara. Parce que moi, quand je vois les monstres en sortir, j'ai qu'une envie, c'est me sauver. Mais oui, il va falloir que je la fasse. Non, je me sous-estime pas du tout, Makara, mais ils font tellement mal. Non, non, au contraire, j'ai même des fois trop confiance, c'est pour ça que je meurs, hein, c'est parce que j'y vais YOLO. Mais là, la ruine, j'ai vraiment... Je sais pas. Ouais, il faudrait que je me fasse un arc, en plus j'ai des flèches et tout. On va se faire un arc. Oui. Ouais, j'ai ça, je voulais la poser. Par contre, les jarres, je sais plus quoi en faire. Hein. Vous y allez à Walpé aussi. Ben, oui. Mais enfin, je trouve que les armures sont hyper contraignantes sur Vintage. Rien que le bruit, déjà, ça m'agace. Oui, le bruit m'agace. Et est-ce que c'est vraiment... Ça fait vraiment une grosse différence? On dirait celle que j'ai sur le serveur. Alors... Ouais, il y a cette falx-là, je vais la laisser là. Hein, ça va la prendre. On sait jamais, ça peut me servir, ça je vais l'y poser. Le miel, bon, on va tout de suite le faire. Hop. Non, comme ça. Oui, elles ont l'air efficaces, peut-être, je sais pas. J'en ai mis une fois et à cause du bruit, je l'ai vite enlevée. Donc, tu vois. À voir, Joram. J'ai même pas fait gaffe ce qu'il avait comme armure. Hop, voilà. Du plomb, de la lignite, c'est parfait. Ah oui, j'ai les pièces de métal là à ranger. Pas moyen de supprimer le son des armures. En y mettant le feu, bah j'ai déjà essayé. Bah non, c'est de la pierre dans la ruine là-bas. Parce que le feu, je l'ai quand même foutu plusieurs fois. Hein. Ah ouais, peut-être que ça, je peux aussi
On va mettre là. Non, mais je vois bien que vous voulez que j'y aille, hein. Je vais essayer, hein. De toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver à part mourir? Pas grand-chose. J'ai plus de pioche. Il faudrait que je m'en refasse une quand même. Sauf que j'ai plus. Ouais, puis j'ai fait la con. J'ai fait couler du bronze éteint ici et ici. Et aucun n'est plein. Bravo, hein. Bravo, Edgy. Vraiment. À part du cuivre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas ce qui reste là-dedans. Du laiton. Je sais pas du tout ce qui reste là-dedans. Hop. On va voir, hein. Ah, des gaufrettes à la noisette. Eh, hey, c'est pas dégueu ça. C'est pas dégueu ça, Makara. Je suis pas hyper fan de gaufrettes, mais j'avoue qu'à la noisette. Ça passe quand même bien. D'ailleurs, j'en ai acheté aux enfants. Bah, je vais la mouler, hein. Hey, coucou, Arcon! Alors? Tu sais qu'on t'attend? T'aimes que celle-là, la noisette, mais je pense que je suis pareil, Kara. Je pense que j'aime que celle-là. J'ai très mauvais souvenir quand j'étais gosse que ma mère, elle achetait des gaufrettes à la fraise. Et j'aimais pas du tout. Oui, comme Jonathan. Voilà. Bravo. Bravo, Arcon, hein. Tiens, pour la peine, tu nous rejoins sur Vintage. Et merci pour le lurk, Juju, si tu m'entends. J'y retourne pour le coup. Oh, bah ça va! Oh, oh là là! Allez! Viens jouer avec nous. Les quadros. Ah ouais. Je suis vraiment pas une fan de gaufrettes en fait. Il y a une époque où j'en trouvais des super bonnes chez Aldi en forme de triangle. Elles étaient vraiment bonnes. Pas écœurantes. Hyper légères. Les quadros sont un peu trop sucrés, c'est ce qui me semblerait à voir la photo. Ouais. Bien, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans par contre. Hein. C'est fou. Hop. Plus qu'à attendre. Ce que je regrette avec les gaufrettes, c'est que cela se mange trop vite. Ah oui, toi, t'es un fan de gaufrettes. J'ai sûrement les bâtons, oui. J'ai une torche, j'ai 5 torches éteintes. Est-ce que je les allumerai pas toutes? Pff, ça sert pas à grand-chose dans une ruine. Ça sert pas à grand-chose, mais elle prendrait moins de place. Hop. Allez, on s'allume. Et vendredi, c'est déjà la fin de Tanaisie V3, hein, les copains. Grand world tour toute la journée, vous venez comme vous voulez. Mon fils va venir. Je sais pas à quel moment il viendra. Mais il va venir. Ça, c'est cool. C'était le temps où j'en mangeais.
Depuis, j'ai une femme et des enfants. Bah, c'est surtout les enfants, non? Je suis en train de me rendre compte de quelque chose, moi. Évidemment qu'il y a des choses qui fonctionnent pas sur le live. Ah là 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 là. Streameuse du dimanche. On est lundi, c'est ça le problème. Non, on va pas faire la mise à jour maintenant, t'es gentil. Hop. Ça va beaucoup mieux marcher, là. Ouais. Je sais bien, Makara. Je sais bien. Ne te force surtout pas à venir. De toute façon, la map, je vous la donnerai après. Elle est énorme. Faut juste le savoir. Donc si vous n'avez pas la fibre, ça va être compliqué. Ouais. Ben déjà, quel est son rendez-vous chez le dentiste, qu'on voit si ça la soulage. Allez, j'ai besoin de la pioche, moi. Je peux pas me permettre d'attendre comme ça pendant 3 heures. On a une ruine à faire. Poser la pince. Hop. Oh, j'ai des trucs à poser, on va aller les poser. Et les sangliers, au fait, ils attendent quoi? Vous faites quoi, les filles? Ah, c'est pas des éléphants, c'est des sangliers. Ben. Viens là, toi. Ok. Hop. Ben oui. C'est bien le problème. Est-ce que ça aurait été intelligent que je prenne une jarre? Une jarre. Sauf qu'elles sont pleines. Un sabre en ruine, tu veux que j'en fasse quoi? J'aime autant mon estoc des enfants perdus. Hein. J'avais une jarre vide en bas, non? J'ai caché tous les luminaires pour peindre le plafond bientôt, d'accord. Elles sont toutes pleines. Hein. C'est quoi ça? On va juste enlever les œufs. Ils sont encore frais pour 3 jours. Voilà, on prend comme ça. Si vraiment besoin, et ben... sont jolies celles-là. Il y en a qu'on n'a pas sur le serveur. Hein. Moi le soir, si je veux être tranquille, j'envoie mon mari ramasser les cornichons. C'est tellement pas évident de les voir qu'il y passe du temps. À soulever toutes les branches. Allez. Bon, on a une arme, on a du pansement. Pas beaucoup, mais on se contentera. Et puis voilà, on y va. Allez, go la ruine, go mourir. Oh, il va faire nuit bientôt. Est-ce que j'ai des lits de secours? Normalement, oui. Parce que je m'en fous. Hein. Hop, voilà. Tout à fait, comme ça. Est-ce que c'est utile d'avoir deux pelles? Non. C'est
C'est pareil, j'ai la falx et les stocks. Monsieur va finir par me deuxième. Bon, ça l'occupe, hein. Il aime pas être occupé? Moi, il aime bien quand je l'occupe. Bon, même s'il râle un peu. Au final, il est content. Allez, go! Go mourir! Ça se trouve, il n'y a rien du tout dans cette ruine. Hein. J'y vais et je vais rien ramasser. Hein. Ça se trouve, elle est nulle. Ah ouais, d'accord. Oh là là, on va faire... on va tous les envoyer en camp, hein, nos bonhommes. Hein. Ça va leur faire du bien un peu. Hein. Ah. C'est quoi, c'est des loups? C'est un loup, ça? Un loup ou un ours? J'arrive pas à me rendre compte. Ah, ça doit être un loup parce qu'ils sont deux. Bon, peu importe. Peu importe ce que c'est, nous, on va ailleurs. On va chercher la merde par là. Quoi? Ah. Le framboisier, oui. On a posé la toile d'ombrage de la terrasse, ça a été compliqué car déjà de base il voulait pas en acheter. Oh bah ça. Alors ça c'est terrible. Hein. Oh, de la lignite. Enfin dis donc, il y en a encore ici. Voilà, ça a déjà tout spawné. Oh. Je devais pas me faire un arc? Oui, je devais me faire un arc. Ouais, je vais me faire un arc. J'ai des flèches. C'est pas une idée con, un arc. J'aime bien, moi, les arcs, c'est rigolo. Moi, il y a une année, bah, il y a quoi, 2-3 ans, j'ai voulu tester le grillage à poules pour les cornichons. Je vais les... leur faire un comme un tunnel quoi tu vois qui s'agrippe dessus puis qui pousse bien et en fait ça a pas ça a été très compliqué à gérer ouais j'ai mal j'ai pas bien géré le de tendre le grillage à poule en même temps quand t'as que deux bras c'est pas évident et du coup depuis oui t'as une grillage à poule et t'en sers pas ben non. Voilà. Ouais, c'est chiant poser. Ben, c'est chiant poser quand t'es tout seul. Tu vois, il m'aurait aidé. Il aurait pu tenir d'un côté pendant que je le fixais de l'autre. Mais bon. Alors ça, le coup du grillage à poule. Alors, attends. Il y a un truc que je n'ai pas. Comment il a fait Nova pour en avoir? C'est Nova, je crois qu'il y en avait eu. Les tendons. Moi, j'en ai jamais eu. D'ailleurs, si je le dépeçais, lui. Allez, viens. On va te dépecer. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Que de la viande. Ouais, il me donne que de la viande. Alors que simple, là, ça me va. Et ça, bah, il me faut pas mal de lin. J'en ai plus de lin. J'ai tout pris tout à l'heure, ce que j'avais. Chevalot? Vraiment, vraiment plus. C'est dommage parce que j'ai des flèches. Regardez ça. J'ai des flèches. J'en ai dans l'autre coffre aussi. La cramer sur ma terrasse, un peu d'ombre, c'est bien aussi pour les enfants. Là, il n'y en a pas. 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 Et là, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Mince! Il n'y en a plus là. Oh non. Non, il n'est pas mûr. Pas du tout. Crotte.
Ah, je peux plus le... Non. Tu peux pas le défaire. Merde, merde, merde. Crotte de bique. Ouais, ça va pas suffire, hein. De... Ouais, moins de tomber sur un nid de locuste, mais bon. Bon, on n'a pas de lin. La viande, je vais la ranger. Que j'ai mis là. Oui. Hop. Et là, c'est calme. Je les ai pris les flèches, ouais. Et j'en ai par là aussi. Flèche en silex, mais bon, ma foi, pourquoi pas. C'est juste qu'il me faudrait suffisamment de lin. Alors, c'est que je pourrais en trouver. À part on tue des mobs, mais là c'est calme. Bon, on va faire dodo. On sait jamais. Peut-être que demain matin, ce sera plus calme. Oui, 2 secondes, je mange. Pas tout faire, je dors. Ouais, c'est toujours calme, quoi. Bon, on va y aller comme ça. Sait-on jamais, peut-être qu'on va trouver du lin. Je crois qu'il y avait les deux, je crois qu'il y avait des locustes et des rôdeurs dans la ruine. Aussi, hein, j'ai des endroits où il y a de la lumière, comme ça, c'est bizarre. C'est l'herbe qui est lumineuse. Si je tombe pas dans un trou, moi. Même pas de loin la ruine. Yep. Bah, monte. Yop là. Ils sont déjà là, hein, ils m'attendent. Ah oui, mais... Comment te dire? Je vois pas. J'ai même pas de lance, rien du tout. Je suis vraiment venue comme ça, hein? Avec mon couteau. On la place pour rien. Juste une pourriture. Quoi, il y en a qui patrouillent? Vous êtes sérieux? Croyez que je peux foutre le feu là?
Juste, je veux pas cramer avec. Non, c'est pas des loups, hein. C'est bien des rôdeurs et des sales bêtes là-dedans. Hein. J'arrive à y foutre le feu, ça. Ouais. Oh. Ça brûle bien. Que je m'enflamme pas parce que ça fait mal, hein. Ça y est, on commence à la voir. Et ça, on peut y foutre le feu. On s'en fout de ces racines. Nous, on veut le feu. Tais-toi, le canard. C'est pas toi qui décide. Non, mais bon. De toute façon, un petit feu de plaine, là. De prairie, ça peut pas faire de mal. Ah, du lin. C'est ça que je veux. Instant, il me repère pas, tout va bien. Allez, un. M'en faut que trois, hein. C'est possible. Attends, parce que quand il y en a un, en général, il y en a d'autres. Hein. C'est rarement tout seul. Ah. Le gamin qui regarde son manga. Bon, de toute façon, oh du thym. Je n'ai pas encore eu du thym. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est que du romarin que j'ai eu. Si le feu il va y aller, hein. Ça se trouve, ils me regardent là, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait cette idiote? Pourquoi elle fout le feu? On s'en fout, nous. Feu qui va me revenir dessus, je vais rien comprendre. Je vois pas de lin ailleurs. C'est un loup qui se baladait sur le côté en fait. Ou alors j'essaye de l'attaquer par là-bas? Est-ce qu'ils vont spawn ici? Ouais, mais ça on s'en fout. Ça, c'est qu'un loup. Ah, putain, ils viennent par là. Ça, c'était un loup. Oh, il y a une tombe, là.
Plein de tombes. Ça le sait, ouais. Il n'y a plus de cadeaux sous les tombes, hein. C'est fini cette époque. Alors ça, c'est... Je me mets à foutre le feu sur la tour. Waouh. Oh là, c'est un pas beau gentil du tout. Oh là là. Ouais, ils sont pas beaux, hein. Il va me faire mal, lui. Quoi? Eh, tu te calmes! Oh nom de Dieu. Tu m'as énervé. Fallait pas m'énerver. Voilà. Du lin. Très bien. Continuez de me donner du lin. Ça, je jette. Ouais. Ah, punaise, il y en a un autre qui vient. Hé! Bah, je lui fais rien. Normal, je le tape pas avec le couteau. Pourvu qu'il n'y ait pas une cloche là-dedans. C'est une cloche, je suis malin. Bon. Je peux, s'il vous plaît, récupérer des trucs. Voilà. Donc, ouais, il n'y a plus rien sous les tombes. C'est dommage. En a encore un. Oh. Je les aime pas, je les aime pas. C'est un cauchemardesque. C'était un cauchemardesque. Ils font mal, ceux-là. Bon, on prend une arme. On sait jamais. Voilà. Les trous, c'est la vie. Oui, peut-être, mais là, je suis morte. Bah, ta pique, suis, s'il te plaît. Ah ouais, c'était pas gentil qu'il y a là-dedans. Hein. C'est pas les classiques, tu vois. Il y a les cauchemardesques qui font très très mal. C'est faux, ils ont tous mal. Mais viens te battre avec nous, Arcane. Tu verras, c'est fun. T'as vu comment je m'amuse? Bon alors attends, parce que n'oublie pas, Edgy, t'as foutu le feu. Ouais, là il y a du borax, je crois. Ça va, c'est un sanglier. C'est un copain. Bon. Truc, c'est que je suis pleine, hein, par contre. Hein. Ah, un trou. Bon, il a plus l'air d'être sur ma tombe, c'est déjà ça. Cadavre. Qu'est-ce qu'il me reste du gâteau? Qu'est-ce que je jette? Ça, sincèrement, avec tout ce que j'ai. Hop. Ok. Donc il y a du cauchemardesque là-dedans. Regarde là, il arrive. Oh, ils me font peur. C'est quoi lui?
Ah, il a deux têtes. Erk, il a deux têtes. C'est dégueulasse. Il a deux têtes. Oh, puis il va vite. Il me court après maintenant. Ah, il me lâche pas, hein. Si. Qui c'est qui tombe dans les trous? Ben moi. Ah! Mais toujours plus loin dans le trou! Quel con! Bon, crabe aussi, il est tombé. Hein. Bon. J'avais pas prévu d'aller dans un trou, moi. C'est quoi, là? Ouais, ça va être de la limite à tous les coups, hein. T'es retourné sur Space Engineers, ouais, du coup. C'est pas bon moment que je suis pas allé, hein. On en refera peut-être avec Delphinus. Mais moi, je maîtrise pas bien le jeu, hein. Par contre, c'est tout craquelé, là. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Imagine, c'est de l'étain. Putain! C'est pas vrai. Mais bah oui, l'instabilité 100%, tu m'étonnes. Je vais réussir à me tuer, moi, avec ces conneries. J'ai pas envie de mourir là. Allez. Je vais juste regarder. C'était où? Là. Là. Ouais, c'est de la lignite, ça, à tous les coups. Ouais, c'est de la lignite. Zut, pas ce qu'on veut. Du tout. Du tout. Oula. Ouais. Dans le genre pas prudent, hein. Ça, je le ferai en haut. Voilà, j'ai pas le choix, hein. Mais quelle idée. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? On reviendra. Hein. Là, on a un truc à deux têtes qui nous poursuit. Franchement, tout seul, c'est pas évident, hein. À plusieurs, je dis pas, ça serait parfaitement faisable. Ouais, ça servirait à quoi que je foute le feu? Rien. Alors, ils viennent d'en bas ou d'en haut? D'en bas, certainement, mais à mon avis, ils viennent d'en haut aussi. Ouais, pétain! Ouais, bah c'est pas une gentille locuste, hein. Vache! Ouais, c'est ce que je dis. Il y a les deux. Il y a Rodeur et Locuste. Pourquoi pas gentil? Pourquoi il n'y a pas des gentils? Ah, faut que j'arrive à me faire un arc, mais faut avoir un arc. Il me faut du lin. Ouais, casse-toi. C'est ça, ouais. Allez. Donc ça veut dire qu'il y a un nid de locuste là-haut. Déjà, je vais vider mes poches. Je vais garder fil et lin. Ça. Hop. Hop. La tourbe, c'était urgent, hein, vraiment. J'en ai déjà une de pelle. La falque, c'est bien, je vais la poser. J'ai plus que ça à manger. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, il fait jour, j'ai pas besoin de la lanterne.
C'est bon. Je vais regarder si je trouve du lin, hein. On sait jamais. J'ai jamais essayé de l'attaquer par cette façade. Ah, il y a plus d'ouverture là. Hein. Plus de possibilités de se faire attaquer. Alors, on voyait des trucs là-haut. Ah, ils m'attendent, hein? Non, mais déjà, si je pouvais atteindre le nid de locuste. Coucou Goldarius, comment ça va? Ils savent que je suis là. Ils me regardent de là-haut. Bon. S'il vous plaît, il me faut du lin. De toute urgence. Des carottes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des carottes? C'est pas du lin. Ah, c'est pas du lin. Ah, il y a un village là. Peut-être qu'il y en a du lin, tiens. Oui. Oh oui, je les aime. Excusez-moi, c'est une urgence. Mais je vais replanter. T'énerve pas. Te fâche pas, monsieur. Je replante, regarde. Tac, tac, tac. Voilà. Tu vois? Et comme ça, moi, je peux faire mon arc. Je vais aller casser la gueule au vilain. Bon, du coup, Goldarius, quelle est ton impression par rapport à Vintage? C'est pour convaincre Arcon, hein, de venir. Que penses-tu de Vintage? On te l'a dit, notre idée à la con, Goldarius? Si on te l'a dit, faut pas répéter, hein. Cet écureuil. Non, j'ai pas peur des écureuils, c'est pas vrai. Je découvre. Nope, on te l'a pas dit. Eh ben ça, c'est pas bien. Définis si t'as mal accueilli. On t'en parlera en privé. La prochaine demain. Tous les jours, tu vas avoir des réunions? Ou il s'enferme dans son bureau? C'est pas que j'ai peur, hein, mais quand même, je suis pas rassurée. Ouais, c'est bon. Non, je vérifiais que je pouvais quand même bien bander. Bonjour, quelqu'un? Il y a une cloche! Oh merde! Oh, crotte de bique! Oh non, non, non! Oh, on n'avait ni pas les cloches! Pourquoi? Pourquoi une cloche? Oh là là! Alors, c'était déjà pas simple, la cloche dans la porte Tori. Mais la cloche là-dedans, là? Oh putain, pas les cloches quoi. Bon. Ça va, Goldarius, hein. Ça va. Moi, je te rappelle que je suis juste partie avec mon couteau. Hein? Ah putain, il y a une cloche quoi. Moi qui rentre tranquille en me disant allez, YOLO. Oh, il y a une cloche. Alors. Ouais, alors ça c'est. C'est chiant. Arriver à monter, ouais. T'as qu'à leur faire du charme. T'as d'autres idées à la con comme ça, Alarius?
Ouais, alors je vois qu'il y a des pièces de métal. Non? Ah non, c'est des cailloux. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un là-haut. On va l'attaquer par le haut, hein, qu'est-ce que je te dise? C'est bientôt l'heure du dodo. De lampe à la gaz, du lampiste. Delphinus, c'est pour toi. Attends, oui. Je vérifiais que j'avais bien ma... Bon, bon, pas repéré. Enfin, je crois. Alors, comment ça se passe là-dedans? Il va faire tout noir. Là, je vois pas de nid de locustes à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont là-bas. Quoique, va savoir. Bon, ben, on va déjà. Ça, c'est fait. Une caisse vide, on prend. Hein. Ça va nous permettre de ranger. Hop. On s'en fiche. Les cailloux, on s'en fiche. Si je savais où est la cloche. Pour moi, elle est en sous-sol. Mais bon. Tu veux parler de l'arbre, peut-être? Ouais, bien sûr. Oh, putain, elle est là! Ah là. Elle est là! Oh merde. Chut, tais-toi, toi, c'est pas le moment. Sérieux? Mettre des petits cailloux, hein? Technique petit caillou. Hop, hop, hop. Et je vais pas faire de dos. Surtout pas là. Merde, toi je pensais qu'elle était en sous-sol, en fait elle est là. Ah ouais, non mais tais-toi! Je sais pas si je peux la tuer avec l'arc. Tu vises comment quand t'as le... Oh! Ah! Je l'ai touché, hein! Je sais pas combien elle a de vie. Ah, un petit arrêt sur image. Bon. Tais-toi, saloperie, je vais plus avoir de flèches. Je sais pas du tout ce que j'ai fait comme dégâts. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça en plus, c'est marrant. J'en ai plus. J'ai tout passé mes flèches. Bon, c'est pas ce qui est hyper coûteux à faire. Hein. Chut, tais-toi. Je vois rien, bordel. Tais-toi. Mais arrêtez la cloche! Là, y a personne. Et là, je vois plus rien. Ouais, je vois plus rien.
Est-ce qu'on peut dormir avec une cloche? Qu'est-ce que j'ai fait de mon lit? Alors, je l'ai posé dans la jarre. Est-ce qu'on peut dormir avec une cloche? Question. Non, on va regarder parce que. Ouais, tais-toi, madame, tais-toi donc. Tant que tu ne lui roules pas une pelle, pour l'avoir vécu, oui. Je vois rien. Tout ce que je veux, c'est mon lit. On va essayer, hein. Attends. On va essayer de faire dodo ici. J'ai pas envie de me réveiller. Calme pour l'instant. Eh ben, on peut dormir avec une cloche, mais c'est quand même pas reposant. Ah, j'ai froid. Ah bah ben, c'est malin, ça, madame. J'ai froid. Si je faisais un petit feu. Un petit feu de bois. Je me demande si je peux foutre le feu à tout ça. Ah, j'ai la propagation du feu, donc j'ai tendance à dire que oui. Non, mais ça va me réchauffer au moins. Par contre, si elle pouvait se taire, vraiment. Tu parles? Il pleut pas? Il neige pas? Enflamme-toi! Ça veut pas s'enflammer. Voilà, là ça veut bien s'enflammer. Ouais, tu vois, Delphine, j'ai réussi à dormir, mais bon. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Voilà, elle veut plus se taire, hein. Elle sait que je suis là. Allez, un petit feu de joie. Je vais marcher sur quoi, moi? Oui, bah au moins j'ai plus froid. Voilà. Brûlé! Non, il n'y a pas de bois par là. Donc là-bas, ça devrait être tranquille. J'ai piqué tout ce que je pouvais piquer ici, hein. J'ai bien ma jarre sur le dos, je ne vois rien du tout. Ben, ça dégage, hein. Mais tais-toi donc! J'arrive pas à la viser. Je sais pas combien elle a de vie, la cloche. Est-ce que ça le dit, cloche. Sans PV. Ah ouais, mais moi je fais rien du tout avec mes petits cailloux, hein. C'est peanuts, hein. Alors avec mes flèches, j'ai dû lui faire quelque chose, mais voilà, quoi. Ouais, ça me donne pas des petits crayons, ça. Ouais, bah, tu vois, tous les mobs viennent, normalement. T'as des blocs de construction, tu me diras, hein. C'est plutôt rigolo. Là, par contre, mes flèches vont être perdues. Sauf sans, c'est dommage. Regarde là, la locuste. Ah bah, elle peut venir me voir, hein. Eh bien, viens, je t'attends. Vas-y. Si je pouvais y aller. Après, j'y vais, je la tabasse, hein. Où je me fais tabasser.
pense que je vais me faire tabasser avant de la tabasser. Allez. C'est pas grave. Au pire, tu meurs. Oh! Ah, c'est ce qu'il se dit, lui. Oh, il va me faire mal, lui. Ouais, non, non. Le problème, c'est qu'avec ça, je fais aucun dégât. Aucun dégât. Tu me tires d'en bas, c'est ça? Mais tais-toi donc! Ah non, c'est un bloc qui danse. Je me disais, je vois un truc bouger. Ah, il doit pas lui manquer tant que ça. Hein. Il doit pas lui manquer tant que ça. Faut juste que j'arrive à m'approcher suffisamment. Ben, quand tu regardes la minimap, non, ça a pas l'air de brouiller tant que ça. Mes flèches! Ouais, non, je suis trop loin. Il y a une locuste qui monte. Normal. Ça va, c'est une petite locuste. Tais-toi, je te dis. Ah, c'est infernal. Allez. Ah. Oh, il y en a une autre. T'es sérieux? Il y en a une autre. Oh, vache. Ah ouais, mais non, quoi. Mais elle fait pas de bruit, elle. Pourquoi elle chante pas? Ah, ça y est. Hein? Il est tombé d'où, lui? Ben on va faire pareil, hein. J'aurais tellement aimé récupérer mes flèches. Aïe! Vous avez pas le droit de me faire mal comme ça. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ouais. Mais le problème, c'est que ça recommence maintenant. Saloperie. Espèce de saloperie. On va faire la même technique, hein. J'espère qu'il n'y en a pas rien à voir comme ça indéfiniment. Hein. Il a marché sur la cloche, vous avez entendu? Ça a fait un touroum. Qu'il y a la locuste. Oh putain. Comment te dire? Bon, tant pis pour les flèches. Hein. Je couche la cloche, la perceuse. Je suis désolée, mon carco. Hein. Figure-toi que j'aimerais aussi qu'elle qu'elle s'arrête. Elle a réussi à me toucher comme ça? Non. Ah non, j'ai.
Ah, mais la salope. Oui. J'ai cru qu'il tirait sur la cloche à un moment. Je me suis dit, ton, tiens. Tiens donc. Lucille en a marre. Mais arrêtez de marcher dessus. Elle est morte, c'est pas une raison. Je vais y arriver à monter. Aïe! S'ils me font tomber, je suis mal. Hein. Elles ont des spots, les flèches. Bon, bah, je vais partir de là. Oui, c'est pas la plus jolie des techniques. Aïe! Pas la plus jolie des techniques, je suis d'accord, tant qu'ils prennent pas l'idée de... C'est pas les plus méchants, hein. Allez! Je préfère la cloche, en fait. D'accord. Alors... On va quand même les fouiller. Quoi? Bon, j'ai pas la patience. Et la cloche qui me tape sur le système. C'est rigolo. Hein. Enfin, je suis pas assez proche. C'est plus mélodique, tu trouves? Ouais, ça fait... je sais pas si on peut appeler ça mélodique, hein. Ah, mais elle se prend les cailloux de l'autre là-bas, vous avez vu? Trop drôle. Ce qui est pas drôle, c'est que lui m'envoie les cailloux, quoi. Tais-toi, t'agaces tout le monde! Même tes copains, ils en ont marre. L'autre, elle a des pop. Je crois pas que t'aies quelque chose à récupérer hein, sur les cloches. Et mon arme est assez efficace quand même. Allez! T'as pris au bon moment. Je vais la toucher. Comment ça se fait? Attends, ça... Oh! Calmez-vous, hein. Je suis pas consentante. De plus en plus de monde. Allez! Mais pourquoi j'arrive plus? C'est qui me tire dessus? Qui a osé? Oh, c'est lui. Non! J'arrive plus. J'arrive plus à la toucher. Je mange. Ben après, ça va être le lin. Ah, là en bas. Mais. Ah, une locuste. C'est encore lui. J'ai l'impression que j'ai plus de mal avec celle-là.
Hey! Non, ça va. Ça va pas être simple, hein, les copains. Oh putain, d'accord. Bah, viens là, toi. Ah, regardez, il y a le loot de la cloche. Non, putain. Ok. Je suis dans la merde. Je suis dans la même merde. Donc ça va être... Ça suffira pas, le pansement. Ça suffira pas. Ah mais non, me tue pas, hein, t'as pas le droit. C'est interdit. C'est la convention. C'est la convention des G. Interdit de me tuer. Voilà. Non mais où? Où va-t-on? Y a des gens là-bas? Chose ici? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille là-bas? Les trucs là-haut. Chut! Taisez-vous, faites trop de bruit. Putain. Tirez sur la cloche à la limite. Pas sûr que je vais y arriver, hein, franchement. La structure est très jolie. Il y a déjà eu des morts, hein, on voit bien. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a les caisses, d'accord, mais bon. Risquer sa vie pour des caisses, je sais pas. Jusqu'au moment où il y en a un qui va spawn là. Faire attention, hein. Si vous avez des idées pour une super froussarde, allez-y. Hein. Je le prends. Hein. Un hérisson qui commence à me faire de l'œil. C'est rigolo. Oui, bah tout au calme, hein. Ça suffit maintenant. Arrêtez. Arrêtez ce cirque tout de suite. Ils sont juste dessous. C'est quelle heure? Bon, ça va. Obligé de... Tire sur tes copains, à la limite, hein. Si j'avais encore des flèches, j'aurais pu faire quelque chose. C'est quoi, ça? Oh, bibliothèque.
Si les cloches ne respawnent pas, rentre à la maison pour temporiser. Ouais, mais les allers-retours, ça me saoule. C'est pas une idée idiote, hein. Ça serait l'idée raisonnable même, on va dire. Sauf que je ne suis pas raisonnable. Et qu'en dessous, ils sont pas bêtes. Il est passé où? Il est tombé. Ah non, il est là. Ce que c'est, j'arrive plus à le toucher. Oh, il va finir par me tuer. Il va finir par me tuer. J'ai pas de quoi me faire une lance? Attends. Dans ma jarre, peut-être? J'ai quoi? Non, j'ai pas de quoi me faire une lance. J'ai quand même essayé de la taper avec la falx, tiens. Peut-être que... Non, pas mieux. Non, j'y arrive pas. C'est dingue. S'il lui tirait dessus, lui. Non, mais tire-lui dessus à elle. J'ai même pas des cailloux à lui envoyer. Ferraille, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là en bas? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose en bas en plus. Il manque pas grand-chose à la cloche. Faire couler. Ah, tu penses à du sable? Des trucs comme ça? Sable, gravier? J'en ai pas. Non. C'est des caisses, hein. Ah, elles se stackent pas, c'est con. Je vous entends, hein? Ralouiller en dessous, hein. Je vais être obligé de redormir ici en plus, hein. Je vais essayer d'y aller, de lui casser la gueule à l'autre de l'autre côté. Je comprends. Mais non. C'est lui qui m'a tiré dessus. Je m'installe, tranquillou. Bientôt, on va faire dodo. Faire dodo comme ça avec eux, avec la cloche. C'est con, j'ai même pas de cailloux. Parce que là, si je descends, je vais me faire attaquer. Hein. J'ai rien qui peut me servir à.
à faire des pointes de lance. C'est con d'avoir perdu les miennes. Hein. Oh, j'y arrive pas. J'arrive à la toucher avec les cailloux, mais c'est tout. Je prends les cailloux. Ah, ça suffit. Tu parles, je ne fais que dalle. Est-ce qu'on essaye d'aller là-bas? On va prendre la lanterne. Je vais essayer d'aller là-bas. On va aller voir. Ça se trouve, il y a une cloche de l'autre côté. Ça serait le pompon. Du monde en bas, oui, d'accord, ça m'étonne pas, je m'en doutais un peu. Ça, par contre, c'est pas cool. C'est un cauchemardesque, celui-là. Ouais, si jamais ils arrivent à grimper, là. C'est quoi ça? Aïe! Oh, saloperie! Bon, on va aller dodo, je pense. Je pense que ce serait bien. Et on verra si on se fait tuer pendant notre sommeil, hein. Ah, le Finus rentre à la maison. Je vais me réveiller à quelle heure? Bah, ma vie remonte, tu vois. 4h du matin, j'ai froid. Je me suis foutu dans la merde en fait. Ouais, il est toujours là, il attend qu'une chose, c'est que j'arrive. Oh. Aïe! À faire. J'y arrive pas. Allez là-bas. Voir si je peux pas trouver des projectiles ou. Des fois qu'il y a quelque chose dans les caisses, hein. Chut. Soyez gentil en bas. Comportez-vous correctement, s'il vous plaît. Non? On fait pas ça. On lance pas les cailloux, c'est pas bien. Je me casse pour pouvoir aller là-bas. Il fait froid en plus. Alors, vide. Vide. Et vide. Il n'y en a pas une seule avec quelque chose de bien. Ah. Non, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et ça se trouve, je me prends la tête, y a rien du tout là-dedans. Ah non, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée, mais non. Donc, à part lui envoyer des cailloux, j'ai rien. En plus, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse. On se casse, tout simplement. Je suis arrivée comment ici? Même plus comment je suis arrivé là. Ouais, d'accord. Okay. On va se casser par là, là.
Il n'essaye pas de venir, ce con. Pff, des bâtons. Des graines, super. Il essaye. Ah putain, il y a un pabou. Ouais, je t'ai vu. Je t'ai bien vu. T'es vraiment pas beau. Vraiment, vraiment. Nous, on va rentrer, hein. On va faire comme il a dit Kirko Doudou. Il est raisonnable. Écoutez, Kirko Doudou. On va aller chercher de la bouffe. Qu'est-ce que je vois là-bas? PNJ, ça se trouve. Il est pas loin, le village. Ah putain, il y en a un en bas. Ça va être guet de se barrer d'ici. S'il me voit et qu'il me tire dessus, je suis mal. Hein. Allez, on rejoint notre petit pont. Il y en a un juste là, deux. Oh putain. Là, ils peuvent pas me tirer dessus, hein, mais. Si j'essayais de passer de l'autre côté. Par là. Oups. Ok. Ben oui, fais attention quand même, triple idiote. Voire quadruple même. Allez, on rentre à la maison. Hop, 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 non, on passe pas par les trous. Ouais. Je rentre à ma maison, on revient après. On va se faire des lances. Je dois avoir des pointes en plus pour faire des lances. Aïe. Ce serait quand même con que je meure d'un framboisier. Ah. Il y a une bête morte qui court. Ça, c'est toujours très drôle. La maison, c'est là-bas. On va chercher à manger, faire des lances. Je dois avoir des pointes qui traînent. J'espère. Sinon, on les fait, c'est pas bien grave. Mais disons qu'une lance en cuivre... elle fera un peu plus mal. Aïe! Ouf. Oui, je sais. Ça fait mal. Là, il n'y a pas de pointe. Aïe, aïe, aïe. J'ai laissé la jarre là-bas, hein. Oui. J'ai laissé la jarre là-bas. Ah! Une pointe de lance, déjà. Après, je peux le taper avec la lance. Hein. Je crois que j'ai froid. Ah, je l'ai déjà posé ça. Merde. Tant pis. Des pelles, ça me servira à rien du tout. Oui, Matt? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux me dire?
Glagla, je sais bien que j'ai froid. Je vais bien finir par me réchauffer. À manger. Oui, 2 secondes, je mange, j'allume un feu. Est-ce que j'ai des cailloux costauds? Ah oui, si, je sais. Attends. 2 secondes. Oh, il me stresse. Oui, je sais, t'aurais aimé que je meure, Matt, mais non. Tellement de façons de mourir, sois patient. Stop, arrête de manger. Oh, je me suis goinfrée. Par là. Non, l'autre. L'autre jarre. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Il nous reste juste à régénérer un peu. Et on va y aller. Puis c'est 5h15 déjà. Faudra pas trop que je tarde non plus, parce que voilà. Puis on se retrouve ce soir sur le multi et demain après-midi. Je vais changer, c'est l'après-midi finalement que je fais le mardi. Donc si on finit pas ce soir, si on finit pas maintenant, on finira demain. Allez, je vais bien régénérer un petit peu en y retournant, non? J'en ai une part. J'aurais pu peut-être me vider. Genre ça, j'en ai pas besoin pour combattre. Ça non plus. Toute façon, j'ai même pas de tourne-disque. Ouais, je sais, les engrenages, il y en a un petit peu partout. J'ai 2 pansements quand même. Allez, on y retourne. Dans la joie et la bonne humeur. Regarde le spavané, lui. Non mais. Tu sais pourquoi? Parce que les graines sont derrière. Ah mais j'ai fermé! Ah, je leur ai fermé la porte. Bien fait, vous avez qu'un pas vous sauver de votre poulailler. Hop! On y retourne, on va bien voir qui c'est qui rigole. Ça va, Malila? Tout se passe bien? On a tué une cloche, on va tuer la deuxième. Ça va, petit canard? Y a plein de poissons dans l'eau. Non, là, il y a des baies. Allez, on y arrive. Et ben, il faut y retourner, hein, c'est tout. On va passer par là, du coup. Que c'était osé. Hein.
Je t'avoue que ça aurait été mieux à deux. Mais bon. Le principe du solo, c'est qu'on est tout seul. Elle doit plus sonner là. Comme je me suis éloignée. Ouais, elle est couchée. Moi, je crois. Alors, saloperie de cloche. Saloperie vilaine, vilaine. Comment je suis montée, moi? Ah si, putain. Mais non, mais on avait dit non. Ben ouais, on avait dit non. Ah, j'étais sûre qu'il y en allait qui allait spawner ici. C'était obligé. C'était ça le problème, en fait, de partir. Merde. Oh, putain. Bon, bah... Je pense que moi, je vais arrêter le live, là. Hein? Et puis, ben, on finira ça demain. D'accord? Ouais. Ouais. On y retournera demain après-midi. Chercher le corps et toutes les affaires. Et enfin, faire fermer sa bouche à cette vilaine cloche. Ouais, écoutez, moi, je vais regarder chez qui je peux vous envoyer, s'il y a quelqu'un. Oh, bah, je vais vous envoyer chez ML. Je pense que... Quoi qu'il doit bientôt avoir fini, à mon avis, vu l'heure. Oh, bah, c'est pas grave, je vous envoie quand même chez ML. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous ce soir sur le multi à partir de 20h. Avec Delphinus et les copains qui pourront être là. Dis bisous tout le monde!